Et dis donc, avant le couronnement de Charles III, le roi d'Angleterre, il paraît que les fabricants de souvenirs, ils tournent à plein régime. Oh ben, tu penses, ils doivent vendre des petites tours Eiffel, des petits arcs de triomphe, des petites boules à neige, tu sais où il y a Montmartre dedans, ils doivent doubler leur chiffre d'affaires, les mecs. Oh ben, au moins, hein.